J'ai grandi dans un petit village comme celui-ci, au cœur de mon pays, la Côte d'Ivoire. Enfant, je me souviens avoir vu des hommes, des femmes, des enfants mourir de cette terrible maladie, la trypanosomiase humaine africaine, la maladie du sommeil. Les gens dormaient toute la journée, puis devenaient fous et finissaient par mourir. À 18 ans, j'ai décidé de consacrer ma vie à lutter contre ce fléau qu'on appelle souvent la maladie du bout de la piste, puisqu'elle peut atteindre les populations les plus reculées, vivant dans des zones souvent difficiles d'accès et éloignées des centres de santé. Je m'appelle Louis. Je suis responsable du laboratoire trypanosomiase de la ville de Boaké. Ouais, c'est d'où, pardon. Celui sur la voie. Voilà, et puis fais venir. Avec mon équipe, je vais de village en village dépister et soigner les habitants. Aujourd'hui, après plus d'un siècle de lutte acharnée, cette maladie est en passe d'être éliminée. Mais quelle est donc cette maladie? C'est une maladie parasitaire transmise par une mouche très particulière, la glossine, qu'on appelle mouche tsetse. Cette mouche se nourrit uniquement de sang. Avec sa trompe qui lui permet d'aspirer le sang, elle injecte des parasites, les trypanosomes. Ce sont de minuscules vers qui très vite se reproduisent par dizaines de milliers. La fièvre s'installe, les ganglions grossissent, puis apparaissent des douleurs aux articulations et bientôt les parasites envahissent le cerveau. Le malade passe ses journées à dormir, mais ne dort plus la nuit. Il semble devenu fou. Sans traitement, il tombe dans le coma et meurt. Quand j'étais petit, je m'amusais à observer cette mouche car elle possède un mode de reproduction tout à fait extraordinaire. La femelle ne subit qu'un seul acte sexuel fécondant dans sa vie. Elle conserve alors les spermatozoïdes dans son abdomen et féconde ainsi ses œufs un par un tout au long de sa vie. Mais au lieu de pondre des milliers d'œufs, comme la plupart des mouches, elle accouche toutes les deux semaines d'une seule larve qu'elle a allaitée pendant sa grossesse. Aussitôt libérée, la larve dispose de moins d'une heure pour s'enfoncer dans le sol et devenir une nymphe. Au bout d'un mois environ, une nouvelle CC éclot. Affamée, elle est prête à piquer sa première victime et si celle-ci est infectée par les trypanosomes, cette mouche transmettra la maladie toute sa vie, soit deux mois environ. Mais où attrape-t-on cette maladie? Seulement en Afrique, et là où cette mouche vit et se reproduit, dans les zones humides, les points d'eau à l'ombre. Du coup, ce sont souvent ceux qui travaillent dans ces endroits qui se font piquer. Les femmes qui vont chercher de l'eau, les pêcheurs, ceux qui travaillent pour la récolte du cacao et du café, à l'ombre des arbres, tous ceux qui travaillent dans les champs. La maladie du sommeil a dévasté l'Afrique à la fin du 19e siècle et au début du 20e dans des proportions épouvantables. Des centaines de villages entiers ont été décimés dans plus d'une dizaine de pays. Face à cette hécatombe, un médecin colonial français,
le docteur Jameau, surnommé le Chevalier Blanc, met en place dans les années 1920 une stratégie quasi-militaire. Avec ses équipes mobiles, il va dans tous les villages recenser les habitants et leur prélever une goutte de sang. Pour ceux qui sont positifs, c'est le traitement obligatoire. Si ces méthodes sont autoritaires, la maladie est stoppée net par la maîtrise du réservoir humain. Mais dans les années 1990, la maladie réapparaît. Tu peux marcher. Aujourd'hui, on estime que 50 000 à 70 000 personnes sont actuellement infectées par an. Mais le nombre diminue grâce aux différentes actions menées en particulier par mon pays, la Côte d'Ivoire. Ce matin, nous allons dans le quartier Lisière Madi. Nous allons pour une procession médicale pour détecter des cas de la trépano. Avec l'accord, bien sûr, du chef du village et des chefs de quartier. Nous faisons ce qu'on appelle dans notre jargon de la détection active. Cette action fait partie d'un programme dirigé par le docteur Kwaku Lenge. Depuis 2007, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a mis en place un programme national d'élimination qui travaille en partenariat avec, bien entendu, des partenaires nationaux et internationaux. Depuis 2009, nous arrivons à dépister moins de 10 malades par an. Et de 2011 à aujourd'hui, nous avons eu 26 malades. Avec mon équipe, lorsque nous entendons ces chiffres, nous sommes très fiers du travail accompli. Rien de tel pour nous motiver encore plus pour atteindre notre objectif, l'élimination de cette maladie dans quelques années. Alors, nous faisons comme le docteur Jameau il y a bientôt un siècle. Nous allons de village en village, de quartier en quartier, et comme lui, nous prélevons un peu de sang, mais cette fois d'une façon plus civilisée. Bon, là, nous sommes au labo, on fait la sérologie. Elle met le sang total et le réactif, une goutte de sang plus une goutte de réactif. Elle fait agiter et après elle met 5 minutes à cet agitateur-là. Et c'est après cela qu'on voit s'il y a un positif ou pas. Si des petits points noirs apparaissent comme ici, alors la personne est positive au test. Merci. J'ai été palpé pour voir s'il y a des ganglions, voilà, à la base du cou, pour voir. Delphine, tu sens la boule là, non? Quand je presse là, ici là, tu sens, non? Voilà, ça c'est un ganglion. Voilà. Pour être sûr qu'elle a bien la maladie du sommeil, nous cherchons alors les parasites dans son sang. Et si on les trouve, elle sera soignée et très surveillée jusqu'à sa guérison. Koyo, on est un cacao. Koyo, à la fijano. Bon. On va voir ma fille. On va la fille. Au bout de 30 minutes, toutes les personnes négatives sont informées et peuvent rentrer chez elles rassurées. Kone Bakari. Oui, c'est bon. Dembélé Aboubakar. Oui, c'est bon aussi. Dembélé Aboudou. Ouf, c'est enfin terminé pour ce village. Nous sommes tous épuisés, mais le travail n'est pas encore fini. Parfois, les méthodes qu'on utilise sur le terrain ne permettent pas de détecter le parasite. La suite du travail se passe dans notre laboratoire de l'Institut Pierre Richer à Boaké. C'est un centre de recherche de l'Institut National de Santé Publique. Dès que nous arrivons avec les prélèvements de sang, nous passons aux analyses. C'est un travail qui demande beaucoup de concentration et de précision, mais nous adorons tout cela.
Grâce à nos machines sophistiquées, nous pouvons faire le diagnostic de façon certaine et donc soigner le plus vite possible les malades. Pour Delphine, tout va bien. Elle n'a pas la trypanosomiase. Une autre partie de notre mission, c'est la sensibilisation. C'est fondamental. Pour que nous soyons bien accueillis lorsque nous arrivons dans un quartier ou un village, et que surtout les gens viennent se faire dépister, il est très important d'expliquer ce que nous faisons. Alors, une semaine environ avant d'intervenir, nous allons rencontrer les chefs de village ou de quartier avec les agents de santé communautaires qui jouent un rôle essentiel dans cette étape de sensibilisation. Le chef en question même s'appelle M. Tranobi Gessan, le chef du village de Biégon. Parce que nous, on est équipé. On vient vous expliquer que on va venir ici pour travailler, prendre vos sangs, vous analyser pour voir si il y a encore cette maladie dans votre village ici. Donc Wadun, il est en face de là, il est bien dans les filles. Il n'y en a pas. Vous dites là, vous dansez pour voir si des gens dénient ou bien dénatant. On demande au chef du village de faire passer le message à toute la population de venir se faire dépister massivement la semaine prochaine. Vous avez bien saisi, hein? La semaine prochaine, là, le même groupe sera là pour un dépistage. Donc, il faut leur dire qu'ils n'ont qu'à faire un effort pour venir massivement. Grâce à tous ces efforts depuis des années, nous maîtrisons ce qu'on appelle le réservoir humain de parasites. Il y a de moins en moins de gens infectés, il y a donc de moins en moins de possibilités qu'une mouche soit infectée à son tour quand elle pique un être humain et qu'elle aille transmettre la maladie à d'autres personnes. Mais hélas, les mouches CC piquent aussi les animaux. Des troupeaux entiers de vaches ont été décimés dans le passé. Moi-même, je me souviens de plusieurs familles dans mon village qui avaient été ruinées à cause de ce fléau. Quel est le rôle des animaux domestiques dans la transmission de la maladie? Y a-t-il beaucoup d'animaux porteurs? C'est la mission de Mathurin Kofi et de son équipe. Scientifique responsable de la recherche à l'Université de Dalwa, il est parasitologue et spécialiste de l'étude du réservoir animal. Vous leur avez donné à manger ? Vous avez contrôlé la parasitémie ? C'est lui qui coordonne ce volet du projet d'élimination de la trypanosomiase. Pour comprendre comment faire diminuer le réservoir des parasites chez les animaux, nous en élevons plusieurs espèces à l'université. Ce sont nos témoins en quelque sorte. Et bien sûr, nous allons également sur le terrain. Ce matin, Mathurin et moi rejoignons notre équipe dans le village de Biégon afin d'y évaluer la présence des parasites chez les porcs et les bovins. Nous installons notre laboratoire, mais cette fois-ci, c'est pour tester les animaux du village. D'ailleurs, pas toujours d'accord avec notre projet d'élimination, alors qu'on ne leur veut que du bien. Bon, évidemment, ce n'est pas aussi facile qu'avec les humains. Ouf, nous allons pouvoir commencer les analyses. On était combien déjà pour faire cette prise de sang? Ce porc qu'on vient de prélever là, il est plein de trypanosomes. C'est ce qui nous motive à venir sur le terrain pour prélever les animaux. Parce que le vecteur, il est commun aux animaux et aux hommes. Donc si le porc il est infecté, ce trypanosome là, il peut être récupéré par la mouche CC et puis le transmettre à l'homme. Pour limiter le risque d'une transmission du parasite à l'homme,
nous préconisons donc de traiter les animaux. Ce qui permettra aussi d'avoir des animaux en meilleure santé qui produiront plus de viande ou de lait. Nos efforts ne s'arrêtent pas là. Pour limiter le risque de transmission, nous nous occupons aussi des mouches qui sont les vecteurs de la maladie. Bon, vous partez poser l'autre côté, on va poser ici. Okay. Nous mettons en place des activités de lutte contre les mouches CTC basées sur un nouvel outil mis au point par nos équipes, les écrans Tiny Target. Les scientifiques se sont aperçus que la couleur bleue attirait les mouches CTC. De là est née l'idée de fabriquer des pièges avec du tissu bleu imprégné d'insecticides. On installe l'écran à la lisière du village où il y a l'humidité et la broussaille où les mouches CTC se cachent là-haut. Les mouches qui vivent dans cette végétation au bord des maisons suivent les porcs qui s'en approchent pour les piquer. On place donc les pièges exactement sur leur chemin. Dès qu'une mouche se pose sur le tissu, le produit chimique agit en quelques secondes. Plus de 5000 écrans de ce type ont déjà été posés, notamment dans les zones de Saint-Fra et Bonon, qui sont particulièrement touchées par la maladie. À chaque fois qu'on pose un écran, on prend les points GPS et on reporte ça sur une carte. Tous nos écrans sont soigneusement répertoriés, changé une fois par an et surtout entretenu. Le plus important, c'est l'entretien des écrans. On va faire le tour du village pour voir s'il n'y a pas d'autres qui sont tombés par le vent ou par les enfants. Si c'est tombé, on va réparer tout. La réussite de notre lutte contre la mouche CTC repose aussi sur la participation de la population et du rôle des parents afin que leurs enfants respectent ces écrans qui sont là pour les protéger. Bien sûr, nous devons savoir si ces écrans sont efficaces. Nous menons des enquêtes entomologiques pour étudier l'évolution de la densité des mouches CTC. Pour cela, nous posons des pièges afin de capturer des mouches, ce qui nous permet de les compter et de les étudier de près, à condition que nos amis les fourmis n'en profitent pas pour les dévorer. Je mets la graisse qui va empêcher les fourmis de monter, dévorer les mouches qui seront capturées par le piège. C'est Draman Kaba, le directeur de l'Institut Pierre Richer, qui coordonne ce volet du projet d'élimination de la maladie. Il est entomologiste et spécialiste de la lutte antivectorielle. Je vois qu'il n'y a que deux mouches capturées dans cette cage. Ça, c'est vraiment très encourageant parce que il y a quelques années, dans cette zone-là, on en capturait beaucoup plus, entre 50 et 100 mouches par cage. C'est dire que la lutte qu'on a mise en place, elle marche très très bien. Alain, tu peux demander à la dame si elles sont toujours piquées par les mouches CC. Il y a un bisous que a couvert comme les gens ouvrent. Les gens ouvrent des cailles. Là, il va canyon. Là, a couvert mes sonni. On s'y met beaucoup de sonni, mais dans mon sou, quand moi c'est sérieux, a couvert ni on s'y en vacances. C'est à quel là ça. Elle dit depuis la mise en place de nos écrans bleus, les pièges, il y a plus de mouches cistées qui les piquent. Alors qu'auparavant, les mouches les piquaient beaucoup, elles n'arrivent pas à travailler, elles n'arrivent pas à s'asseoir dehors. Les mouches les piquaient beaucoup. Donc il y a une diminution de la densité. De retour au laboratoire, Draman dissèque les mouches capturées. Il extrait délicatement trois organes, le proboscis, c'est la trompe de la mouche qui lui sert à piquer et aspirer le sang.
L'intestin, ce sont les minuscules fils de couleur claire et les glandes salivaires. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de regarder ces organes-là au microscope pour rechercher la présence de trypanosomes. Effectivement, je vois des trypanosomes dans l'intestin qui bougent. Ce qui va nous intéresser maintenant, nous les scientifiques, c'est de savoir l'espèce et le type des trypanosomes. En effet, il est important de savoir si ces parasites représentent un danger pour l'homme ou pour ses animaux domestiques. Bien sûr, il reste encore beaucoup à apprendre sur les subtilités de la biologie de ces différentes espèces de trypanosomes pour mieux adapter les stratégies de lutte. Aujourd'hui, les mouches CTC ont quasiment disparu dans la plupart des zones de lutte. C'est le résultat d'années d'efforts. Mais il reste malgré tout des poches de résistance où subsistent encore des mouches. Ce n'est surtout pas le moment de faiblir. C'est là qu'intervient Fabrice Courtin, chercheur responsable du volet géographique du projet d'élimination. Il a mis au point une méthode d'identification des villages à risque de trypanosomiase humaine africaine. À l'aide des informations qu'il recueille grâce à d'anciens documents, des livres, des cartes, des images satellites, il repère les anciens foyers de la maladie qui sont tombés dans l'oubli et qui souvent n'ont pas été visités depuis des décennies. Il part alors avec son équipe de dépistage. Il faut repérer d'éventuelles personnes atteintes, mais non signalées. C'est un énorme travail, car il faut aller dans les nombreux villages, parfois difficilement accessibles, mais c'est indispensable. Aujourd'hui, l'équipe commence une mission de 3 semaines dans un village situé au cœur du foyer historique de Bouna, tout au nord du pays. Il nous faut des personnes qui répondent au signalement qu'on vous a donné, qui tournent autour des signes de la maladie. Des fatigues qui ne finissent pas, des sensations de palu, des personnes aussi qui passent l'essentiel de la journée à dormir. Ceux-là, on a besoin d'eux ici. Et d'autre part aussi, on a besoin de ceux qui travaillent là où il y a les mouches CC. Il y a des pêcheurs même. Ceux-là, ils sont toujours avec les mouches CC. Ceux qui travaillent dans les maraîchers. Donc on a besoin de ceux-là aussi ici. Puis c'est au tour de Pierre, le responsable de cette mission, d'entrer en scène. Donc je vais poser un certain nombre de questions au chef. Tout d'abord, je voulais lui demander, chef, combien est-ce qu'il y a d'habitants ici à Kakpin? Il va questionner un par un tous les villageois qu'on est allé chercher sur leur mode de vie, en commençant par le chef. Est-ce qu'également, au niveau du village ou bien autour du village, il y a un point d'approvisionnement naturel, comme un marigot par exemple, ou bien un endroit où les femmes vont laver le linge? Les réponses permettront ensuite à Fabrice d'évaluer le risque de la maladie pour chacun des villages visités et donc d'orienter les dépistages. Baïko Bali. Est-ce que tu connais la mouche de ce qu'on appelle Akanga en Koulango? Oui. Quand tu vas au champ là, est-ce que ça te pique? Oui, ça me pique. Hein, ouais. C'est un peu ou bien c'est beaucoup? Un peu, mais ils sont plus nombreux. C'est occasionnellement, ça dit c'est pas tous les jours qu'elle se fait piquer par Akanga. Ce foyer historique de Bouna n'a pas été investigué par les équipes médicales depuis plus de 40 ans. On veut déclarer l'élimination, mais c'est difficile de déclarer l'élimination si on n'est pas allé voir dans les foyers historiques quelle était la situation épidémiologique. L'identification des villages à risque s'appuie à la fois sur les données géographiques, l'étude des mouches CTC et sur les résultats des tests sérologiques effectués sur des suspects cliniques et environnementaux.
En ce qui concerne le volet géographique, on s'intéresse plus particulièrement au mode d'approvisionnement en eau des populations. Par exemple, si vous, dans un village, vous avez une pompe et que dans un autre village, vous n'avez pas de pompe, le risque au niveau du village qui n'a pas de pompe sera beaucoup plus élevé puisque les populations iront s'approvisionner au niveau du marigot où se trouvent les mouches tsetse et se font donc piquer par les mouches. Dans ce cas, l'équipe de Fabrice pose des pièges près de l'eau dans la zone d'activité des villageois afin de savoir si c'est effectivement une zone à mouches. C'est l'équipe de Draman Kaba qui déterminera ensuite si elles sont porteuses de trypanosomes. Grâce à ce travail de patience, Fabrice peut déterminer les populations à surveiller de très près et éviter la réapparition de la maladie. Alors justement, pour ces zones éloignées de tout mais concernées par la trypanosomiase, nous formons le personnel médical au dépistage des signes de la maladie. C'est ce que nous appelons la surveillance passive. Le principe consiste à dépister la maladie chez des gens qui se sentent malades et qui viennent eux-mêmes consulter. Ce monsieur vient d'arriver au centre de santé de Bounon et vu son état de fatigue, je crains qu'il n'ait la trypanosomiase. Je l'accompagne à la consultation. Bon, allez, qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux m'expliquer un peu? Oui, mon corps chauffe beaucoup. Ton corps chauffe? J'ai très mal à la tête. D'accord. Je suis très affaibli. D'accord, il y a un peu longtemps? Il y a longtemps même. Et tu dors beaucoup, c'est je ce que tu dors très beaucoup. À tout moment, je ne fais que dormir. Au champ, tu arrives à bien travailler quand même? Quand je veux ça, je ne peux même pas me travailler. J'ai très mal à la tête. On sent des ganglions. Mon corps chauffe. C'est des ganglions qui sont bien en faveur hein, de la maladie du sommeil. On va te dépister pour être sûr que c'est la trypanosomiase ou ce qu'on appelle encore la maladie du sommeil. Comme ça, on va te traiter ici. La stratégie de la lutte contre la maladie du sommeil consiste à sensibiliser les populations paysannes, parce que c'est une maladie qui atteint les paysans, à venir dans les centres de santé qui sont à leur disposition pour se faire dépister et se faire prendre en charge gratuitement. Le dépistage dans les centres de santé est devenu d'autant plus facile depuis l'arrivée d'un test de diagnostic rapide. Avec une seule goutte de sang, on obtient le résultat en quelques minutes. Si trois bandes apparaissent, c'est que le test est positif. On vient de vérifier, la maladie que vous avez, c'est la trypanosomiase. On va vous mettre au traitement. Le traitement, il n'est pas dangereux. Vous allez avoir 7 jours de perfusion et puis 10 jours de comprimés que vous allez prendre par jour. Si vous suivez bien ce traitement, vous allez guérir. Docteur, ça va me coûter cher? Oh non, non, pas du tout. Vous n'avez rien à payer. Les médicaments sont offerts gratuitement par l'OMS. Ah, merci, docteur. Il est important que nous puissions tous nous mobiliser pour lutter contre cette maladie, que j'appellerais même à la limite, excusez-moi de terme, maladie ancestrale. Pour un pays qui aspire à l'émergence, il ne faut plus que nous entendions parler de trypanosomie ni de maladie du sommeil dans les années à venir. C'est donc tous ensemble que nous devons lutter contre la maladie du sommeil.